Pas facile de s'improviser capitaine quand on n'est que plaisancier. Attendez, je vois un coup de main. Envoyez. Heureusement pour les marins du dimanche, monsieur le maire n'hésite pas à jouer les mousses pour aider à l'amarrage. Voilà. Bienvenue à Magina du premier port du Cap Corse. La clientèle y est nombreuse, arrive principalement de France et d'Italie et vient depuis longtemps. 30 anni si sta molto bene. Bello, la Corsica è bella, si sta bene a macinaggio. Mare buono e tutto bello. Pour satisfaire les clients, la municipalité n'a pas lésiné sur les moyens. Depuis quelques années, les chantiers se multiplient. L'aire de carénage a été agrandie en 2015. Un quai de 60 places supplémentaires et une nouvelle digue ont été construites l'an dernier. En deux ans, 1 100 000 euros a été investi par la mairie de Roliano dans le port. Résultat, il compte aujourd'hui plus de 650 places, dont 15 postes réservés aux grandes unités, celles qui rapportent le plus d'argent. Une stratégie efficace selon le maire du village. C'est vrai que depuis que ces ouvrages, ces structures sont mises en place, on a beaucoup plus de monde et au niveau des réservations, on a beaucoup plus de réservations et même sur des unités assez importantes. Des bateaux et des touristes, le cocktail est idéal pour satisfaire les commerçants de la marine de Roliano en ce début de saison. Nous avons des retombées positives et ça va vers le haut, ça tire vers le haut. Il y a une dynamique au niveau de la municipalité, au niveau des commerçants et on est en train de remonter tout ça. Mais si l'arrivée des plaisanciers satisfait les restaurateurs, d'autres professionnels sont plus réservés. Bon, ça fonctionne, on va pas dire que ça fonctionne pas, mais les gens n'ont pas d'engouement pour s'acheter des fringues. Prochaine étape, rénover le quai Nord. Mais attention, prévient le maire, pas question pour autant de devenir Saint-Tropez. Magina dut en rester le plus grand des petits ports.